Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons commencer à modéliser la seconde rampe d'accès de la zone sud du réseau. Je vais vous montrer ici, pas à pas, la façon dont je procède. La fois dernière, nous avons vu comment récupérer le tracé de la voie depuis AnyRail vers Fusion 360. Aujourd'hui, nous allons commencer à modéliser les premiers éléments de la rampe et que l'on aperçoit à l'écran. Comme on peut le voir, un seul parapet figure sur cet élément de rampe. C'est lié au fait que le côté sans parapet sera par la suite noyé dans le relief du module qui sera en pente et remontera vers la rampe. Sans plus attendre, retrouvons-nous devant le logiciel Fusion 360 afin de modéliser tout cela. Nous commençons par créer un nouveau fichier que nous enregistrons. Cela va nous permettre ensuite d'y charger le tracé de la voie que nous avons importé depuis AnyRail lors du dernier épisode. Voilà qui est fait. Maintenant, nous créons une esquisse sur laquelle nous allons dessiner quelques éléments essentiels au tracé de notre rampe. Je commence par renommer l'esquisse de façon à lui donner un nom qui nous permettra de nous y retrouver plus tard. Nous avons ici à l'écran une courbe qui correspond à l'anthrax de la voie et nous allons dessiner d'autres courbes à l'aide de l'outil de décalage. Au préalable, et comme toujours, il convient de projeter les géométries dont nous avons besoin dans cette esquisse et qui sont définies ailleurs. Donc là, je sélectionne l'anthrax et je le projette dans l'esquisse. Je crée une première courbe qui va correspondre à l'extrémité des traverses. La voie PECO faisant 16,6 mm de large, je note ici la moitié. La seconde courbe va correspondre à la largeur du passage de circulation. Entre le parapet et la voie. Ensuite vient la distance entre la voie et les poteaux de caténaire. Puis nous avons la distance entre le centre de la voie et l'extérieur des niches de la rampe. Et enfin, nous avons une dernière courbe située à une distance suffisamment grande du centre. Nous verrons son usage plus tard. Je la positionne à 100 mm du centre. Si cette distance s'avérait trop petite dans la suite des opérations, il suffirait de l'agrandir. On voit que les valeurs des décalages créés sont référencées ici de D1 à D5. On va s'en servir pour effectuer les mêmes décalages de l'autre côté de la rampe. Enfin, on ferme les deux extrémités de la rampe avec deux lignes droites. Cela va fermer les surfaces et permettre les extrusions. Voilà qui est fait, et au moyen du survol de la souris, je m'assure que les surfaces sont bien fermées. Nous allons maintenant dessiner la section de la rampe. Pour cela, nous allons créer une nouvelle esquisse, mais pour le faire, nous avons besoin au préalable de définir un plan pour celle-ci. Je crée un plan d'angle à l'extrémité et je le positionne verticalement. Je crée l'esquisse que j'associe au plan. Je renomme l'esquisse. La création de l'esquisse masque automatiquement le plan. Je le réaffiche temporairement histoire de m'y retrouver et je le remasque aussitôt. Je vais partir du centre de la voie, je le projette sur l'esquisse à l'aide de la touche P du clavier. Et je dessine la section, une première ligne de construction qui part du centre de la voie et qui va jusqu'à l'une des extrémités soit 25 mm. Bon, enfin c'était un peu inutile, car j'aurais dû utiliser l'extrémité déjà dessinée dans le plan de base. Tant pis. Maintenant, je dessine un rectangle qui fait 50 mm de côté et 1 mm de hauteur. Ce mm est une valeur complètement arbitraire, mais en revanche, il est important de noter que le rectangle est dessiné en dessous du plan horizontal, puisque la rampe va commencer avec une hauteur nulle. Cette esquisse est maintenant terminée. Nous allons maintenant effectuer un balayage afin de donner corps à la rampe. Je sélectionne la section et puis le chemin qui correspond à l'entraxe de la voie. Maintenant, il nous faut définir une pente et pour cela, nous allons renseigner le champ angle de conicité. Pour le moment, je le positionne à 1 degré. Mais nous y reviendrons. Alors, on voit que l'opération de balayage avec un angle de conicité augmente la rampe dans toutes les dimensions. En hauteur, c'est ce que l'on souhaite, mais aussi vers le bas et sur les côtés. Nous allons y remédier en commençant par utiliser l'outil Scinder le corps. Je sélectionne la rampe et puis le plan horizontal. Et je valide. On se retrouve désormais avec deux corps, le bas et le haut. Je masque l'affichage de la partie basse qui ne nous intéresse pas. Nous allons maintenant nous intéresser à la pente de notre rampe. Nous allons mesurer la hauteur à l'extrémité la plus haute. On voit que pour le moment, la hauteur est de 42 mm et dans mon cas, la rampe a besoin de monter à 70 mm, hauteur du niveau 2 du réseau. Dans l'immédiat, nous allons raboter les côtés de la rampe de façon à ce qu'elle ait une largeur constante de 50 mm. Pour cela, nous allons effectuer une extrusion et nous voyons ici l'intérêt des courbes extérieures que nous avons tracées tout à l'heure sur le plan de base. Voilà qui est fait. Par souci de clarté, je renomme le corps correspondant à la rampe. Et je retire le bas de la rampe qui ne nous intéresse pas. Veuillez noter que j'utilise la fonction Retirer et non Supprimer, qui risquerait de générer des erreurs dans l'historique de Fusion 360. Un corps retiré peut au besoin être réaffiché. Alors, il tend désormais de positionner la bonne valeur d'inclinaison de notre rampe. Je sais que la rampe va avoir une pente comprise entre 2,8 et 3 3% représente 1,72 degrés. Et en fait, je vais procéder par essais successifs pour positionner le bon angle de conicité en mesurant à chaque fois la hauteur de la rampe. Ayant fait des essais préalables, je sais que la valeur de 1,639 degrés convient bien. Parfait, on a bien une hauteur de 70 mm. Maintenant que nous avons la forme générale de notre rampe, nous allons la découper en plusieurs pièces imprimables et travailler au détail de chaque pièce. Ici, nous allons créer une première pièce découpée sur une ligne qui apparaît dans notre rampe. Je fais cela parce que cela me convient ici, mais bien sûr, il est possible de découper la rampe ailleurs en fonction de ce que l'on souhaite. Je crée un plan d'angle vertical aligné sur la ligne en question. Et je scinde le corps suivant ce plan. On s'aperçoit que l'on se retrouve avec trois corps et non deux parce que le plan en question est venu découper la rampe à l'autre extrémité. Ce n'est pas bien grave, nous allons les réunir à nouveau et renommer la pièce numéro 1 de notre rampe. Voilà qui est fait. Et là, je réunis les deux corps restants. Maintenant, nous allons créer un composant spécifique pour la première pièce. Il est ici. On masque le reste de la rampe. La première pièce va être très simple. Située en zone d'aiguillage, j'ai besoin qu'elle soit limitée à la largeur de la voie. Je sélectionne les côtés dont je n'ai pas besoin. Et je les extrude. Voilà notre première pièce, on ne peut plus simple. Il n'y a plus qu'à l'exporter dans le slicer et à l'imprimer. Je la masque, on va passer à la seconde pièce, tout aussi simple. Pour la seconde pièce, on repart de la rampe entière. Et on crée un nouveau plan vertical à l'endroit où l'on souhaite découper la seconde pièce. Et on découpe. Ici, on se retrouve avec le même gag que tout à l'heure. L'extrémité de la rampe a également été découpée. Je procède de la même façon. Et nous voici avec la seconde pièce, tout aussi basique et prête pour l'impression. La troisième pièce de la rampe va être plus intéressante puisqu'elle va comporter un passage de circulation, un parapet, une niche et un emplacement pour un poteau de caténaire. J'effectue une mesure pour m'assurer que la pièce rentrera sur le plateau de l'imprimante. 18 cm, c'est bon. On peut procéder au découpage de la pièce. La pièce est découpée, le troisième composant créé et à ce propos j'aimerais vous montrer l'un des intérêts d'utiliser des composants. Ici on est à la racine du projet et on y voit l'historique dans lequel il peut être difficile de s'y retrouver s'il est très riche. Maintenant que la pièce numéro 3 est un composant, je peux choisir de travailler directement dans le composant et l'on voit que celui-ci dispose de son propre historique qui pour le moment est vide mais il va s'enrichir lorsque nous allons modifier le composant. Nous allons créer une esquisse à la base de la pièce. Et nous allons avoir besoin d'afficher notre esquisse plan de base. Donc nous voici dans l'esquisse et nous allons y projeter les courbes figurant sur le plan de base. Voilà qui est fait. Nous allons maintenant ajouter les extrémités de notre pièce numéro 3. Et on valide. À ce stade, je peux à nouveau masquer le plan de base et terminer l'esquisse. Maintenant, nous allons créer un plan sur le dessus de la rampe. Je sélectionne un plan qui passe par trois points et je sélectionne trois extrémités du dessus de la rampe. Maintenant, à l'aide d'une extrusion, nous allons créer le passage de circulation au bord de la voie. Dans Démarrer, je sélectionne Objet, et ensuite dans Objet, le plan que nous venons de créer. Dans Opération, je mets Joindre, et dans le champ Distance, je fais figurer la hauteur du passage de circulation, 4 mm. Dans ces 4 mm, il y a 3 mm pour la couche de liège qui viendra sous la voie, plus 1 mm pour coincer les traverses entre les deux passages de circulation. Alors ici, on remarque qu'il y a un espace entre le passage de circulation et la base de la rampe. Nous allons corriger ce problème en modifiant l'extrusion qui vient d'être faite. Je la décale de 1 mm vers le bas par rapport au plan. Et du coup, j'augmente la distance d'extrusion de 1 mm. On se retrouve ainsi avec des volumes qui sont bien abriqués. On peut désormais masquer le plan. Maintenant, nous retournons dans l'esquisse que nous avons créée à la base de ce composant. Je vais commencer par repérer l'endroit où figurera le poteau de caténaire sur cette portion de rampe. J'ai noté qu'il fallait qu'il soit à 13 cm du début de cette pièce. Je le positionne sur la courbe qui représente la distance entre le centre de la voie et les poteaux. Maintenant, nous allons tracer le cercle qui correspond au trou à réaliser pour y insérer le poteau. Dans mon cas, le diamètre du trou est de 3,15 mm. Il faut réaliser des tests préalables sur de petites pièces pour trouver le diamètre de trou qui correspond à ce que vous souhaitez et de la marge d'erreur de votre imprimante. J'ai choisi de positionner les poteaux de caténaire dans les niches de la rampe. Nous allons donc maintenant dessiner la niche. En partant du centre du poteau, je mesure 10 mm sur la courbe. Idem de l'autre côté. Et je trace des lignes perpendiculaires qui représenteront les côtés de la niche. Un décalage de ces lignes pour représenter l'épaisseur du parapet. Et maintenant, on s'occupe du parapet sur le côté extérieur. Nous allons ménager un espace horizontal pour recevoir la base du poteau de caténaire sur ce plan en rampe. Cette base est carrée d'une largeur de 6 mm. Tout semble en ordre, nous pouvons terminer l'esquisse. Maintenant, nous allons procéder à quelques extrusions et nous avons besoin de réafficher notre esquisse. Ici, je sélectionne le dessin de la base du poteau. et je lance une extrusion. Je choisis de démarrer sur un objet et je choisis le dessus du passage de circulation. En ce qui concerne la distance d'extrusion, il faut la choisir la plus petite possible de façon à rester au plus proche de la surface en pente. Je masque le corps le temps de sélectionner la surface correspondant au trou du poteau. Et je lance l'extrusion pour réaliser le trou. Maintenant, on sélectionne les surfaces qui correspondent au parapet. Et on extrude. Le parapet fait 5 mm de hauteur. Enfin, une dernière extrusion va nous permettre de supprimer le volume qui est derrière le parapet. Et voilà. Visuellement, il y a quelque chose qui cloche, en tout cas qui ne correspond pas à ce que je souhaite. Le passage de circulation de gauche est trop large, j'ai dû faire une erreur dans les extrusions initiales, mais ce n'est pas bien grave, nous allons modifier cela. Je sélectionne les surfaces à retirer et je fais une extrusion. C'est mieux, mais il y a encore un point à rectifier. Dans ce que j'ai imaginé, la largeur du parapet empiète sur le passage de circulation. Or ici, il est situé à l'extérieur. Nous allons donc modifier cela. Je retourne dans l'esquisse. Et l'erreur est ici. Le décalage ne va pas dans le bon sens. Je l'inverse. Je dois du coup prolonger les côtés de la niche. Idem de l'autre côté. On voit que l'extrusion du parapet est à modifier. On y va. Je resélectionne les bonnes surfaces. Je vérifie que la largeur du passage est conforme. C'est bien le cas maintenant. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons la construction de notre rampe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle sera utile à certains d'entre vous. Je vous dis à bientôt, bon modélisme et bonne modélisation.